Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 333 d'art dramatique avec Philou Dengo et l'interprète c'est Jean-Philippe Tchifteyan. Je dissocie parce que je suis dans le cadre d'un cours d'art dramatique, donc je suis un professeur d'art dramatique et donc le professeur d'art dramatique, on pourrait penser qu'il s'agit de Jean-Philippe Tchifteyan, mais pas tout à fait, parce que Philou Dengo, il est plus un peu, c'est un comédien quoi, c'est-à-dire c'est le personnage, c'est le personnage approprié pour donner un cours d'art dramatique. Alors que Jean-Philippe Tchifteyan n'est pas un personnage théâtral, c'est une personne vivante. C'est pourquoi on ne peut pas mélanger les genres. On ne peut pas mélanger le réel avec le virtuel. Là, nous sommes dans le virtuel, nous sommes dans une comédie, un cours d'art dramatique. Donc, Philou Dengo peut se permettre toutes les fantaisies qu'il veut. Ça ne reste que du virtuel. La télé, ce n'est que de la télé. Comme se disait le célèbre commentateur, reporter. Et lui, il se fait appeler par son vrai nom. Et il y a erreur sur la marchandise. Hein. C'est encore une erreur. Alors c'est la mode, tout le monde se fait appeler par son vrai nom pour donner de la crédibilité à leurs mensonges. Parce que quand on est devant une caméra, on est obligé de mentir. Eh oui, Philou Dengo, c'est un menteur, c'est-à-dire un comédien, quoi. Tous ceux qui se présentent devant une caméra, ce sont des comédiens, des acteurs. La caméra n'a pas pour but de dire la vérité, puisqu'elle est en différé. Tout ce qui est en différé, forcément pas dans la réalité. Là, quand vous me voyez parler, c'est en différé. Et même si j'étais en direct, ça ne reflèterait pas encore la réalité. Parce qu'on peut tricher, on peut couper des sons, rajouter des sons, couper des images, remettre d'autres images, changer la couleur, changer le ton de la voix, dire ce qu'on veut, ne pas dire forcément n'importe quoi. On est obligé de tenir un langage qui correspond à l'émission de télévision que l'on donne. Donc, on est dans un certain cadre artificiel. Ce n'est plus la réalité. Malgré que les images soient tirées de la réalité. Je fais toujours le parallèle entre un peintre, quand il peint un tableau d'après une réalité. Mais son tableau, l'image qu'il reflète dans le tableau, ne reflète pas la réalité qu'il voit. C'est une transposition. Et le film, c'est pareil, c'est une transposition de la réalité. C'est très important de comprendre ça, parce que à la télévision, on a pris de très mauvaises habitudes. On cite les gens par leur nom. On devrait citer les gens par leur nom et leur personnage, puisqu'ils interprètent tous un personnage. Puisque ce sont des personnages virtuels. Tout ce que vous voyez à la télé, ce sont des images virtuelles. Parce que on vous fait oublier que ce sont des images virtuelles pour mieux vous embarquer, justement. Pour vous faire croire que ce que vous voyez est la réalité. Point final. Et les gens s'affirment. Et les gens pensent ce qu'ils disent. Une autre façon d'embarquer le public. Mais c'est grave, c'est très grave de prendre de mauvaises habitudes comme ça. C'est comme dans une pièce de Molière, si par exemple je joue Don Juan, je ne vais pas m'appeler Jean-Philippe Tchifteyan. Je m'appelle Don Juan,
je joue le rôle de Don Juan. Je ne peux pas m'appeler Jean-Philippe Tiftéian dans une pièce de théâtre. C'est impossible, puisque Jean-Philippe Tiftéian ne ferait pas le rôle de Don Juan dans la vie réelle. Tout comme là, en ce moment, Jean-Philippe Tiftéian ne ferait pas ce cours d'art dramatique dans la vie réelle. Il le fait par interprétation. Il interprète un personnage dans un cours virtuel, même si c'est tiré de la réalité. J'insiste parce que on n'a pas assez de gens qui se révoltent sur ce problème que les médias nous balancent à la figure en prétendant qu'ils détiennent la réalité. C'est impossible. Tout ce qui passe à la télévision, ce sont des mensonges, automatiquement. On est obligé de dire que ce sont des mensonges. C'est comme quand on fait un tableau avec de la peinture. On ne peut pas dire que ça représente la réalité. C'est une interprétation. Et là, c'est pareil. Filou Dingo, c'est une interprétation de Jean-Philippe Tiftéian. Et tous les personnages que vous voyez à la télé, ce sont des interprétations. Toujours. Ce ne sont pas les vrais. Les vrais dans la réalité, vous pouvez les toucher, par exemple. À la télé, vous ne pouvez pas toucher les vrais personnages. Vous ne pouvez pas même leur parler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tout est faux. Je dis ça parce que mon métier, c'est de fabriquer des films. Donc, c'est de fabriquer des histoires fausses, tirées de la réalité. Alors, on peut dire la vérité comme on peut mentir. Maintenant, la valeur de notre parole, elle est due à quoi ? Parce que quand on parle là comme ça, les paroles s'envolent, vous voyez ? Quelle est la réalité, la vérité de ce que l'on dit ? Il y a un contexte, il faut prendre le contexte, il faut prendre beaucoup d'éléments pour essayer de comprendre quelle est la part de vérité dans ce qu'on entend à la télévision. C'est complètement absurde d'essayer d'accorder de la crédibilité. C'est dangereux même. Je dis tout ça parce que je suis un fabricant de rêves. Parce que tout ce que vous voyez à la télévision, ce sont des images virtuelles. C'est comme un rêve, vous voyez. C'est comme si vous rentriez dans un rêve. D'ailleurs, vous prenez la position allongée devant votre canapé. Vous vous mettez presque à somnoler, vous regardez les images, vous faites comme si c'était un rêve, ce que vous voyez. C'est tout à fait dans la mesure d'un rêve. Et dans les rêves, quand on fabrique des images, qu'on est soi-même le comédien, on va essayer justement de renforcer ce rêve, cet effet de fantasme, fantasmagorique. Au plus on rentrera dans ce fantasme, au plus les images vont être merveilleuses pour celui qui regarde la télévision. Et c'est ce qui manque à la télévision réellement, c'est le fantasme, le rêve, les illusions, c'est tout ce qui fait attrait à l'imaginaire. Alors, on essaye justement, les médias qui sont dirigés donc par des grosses firmes américaines, pures et dures, hein, c'est l'argent qui compte pour eux, hein, ne souhaitent pas vous emmener dans le rêve. Parce que quand on est dans le rêve, on n'achète plus rien.
Ou alors, vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, le gars après vient pour vous vendre une télévision, ça vous casse l'oreille, vous voyez? Alors il essaye de vous entraîner dans un... Il essaye justement de ne pas vous entraîner dans un rêve, de rester toujours terre à terre à la télévision. Toujours des émissions vraiment pures et dures, vous voyez, où on vous fait croire que toutes les images sont importantes, qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des drames. Ils essayent tout de ramener à la réalité, de s'éloigner du rêve. Alors que la plus belle chose dans la télévision, c'est le rêve. Ce sont les dessins animés, par exemple. Ce sont les choses, les contes de fées, les histoires d'amour, tout ce qui a trait à l'imaginaire. Ce sont toutes ces images qui amènent le spectateur dans une euphorie, dans un bonheur. Chose qu'on a oubliée. C'est pas qu'on l'a oublié, c'est comme je vous dis, les médias sont dirigés par des gens très très rigoureux qui ont des ingénieurs qui réfléchissent comment ils vont pouvoir vous manipuler. Et moi, dans mon système de vidéo, si vous remarquez bien, je vous emmène toujours dans une espèce de folie qui n'a rien à voir avec le terre-à-terre, vous voyez. Parce que j'estime que la folie, le rêve, la démesure, c'est ce qui rend l'image inoubliable. C'est justement ce qui capte le téléspectateur. Et je voudrais utiliser cette fonction, cette fantasmagorie, pour justement délivrer les gens de leurs souffrances quotidiennes. Parce que finalement, la seule manière d'éviter de souffrir sur la Terre, c'est d'avoir un espoir. L'espoir d'un monde meilleur. L'espoir que ce monde meilleur est possible. C'est très important de donner cet espoir, de donner cet élan, de donner ce rêve aux gens pour qu'ils soient heureux dans leur vie de tous les jours. Et c'est mon travail. C'est pour ça que j'ai inventé Filou Dingo, un peu Dingo, etc., qui ne se prend pas du tout au sérieux, hein, dans tout ce qu'il fait. C'est comme ça qu'elle doit être la vie. C'est légère. Ça n'a pas d'importance, rien n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux, c'est qu'on soit tous heureux. Et pour jouer la comédie de ce personnage, justement, qui est fantasmagorique, un peu un personnage de bande dessinée, hein, il va falloir avoir des aptitudes de comédien. Voilà pour ce soir. Je pense que c'est raisonnable. La vidéo est suffisante. Ça vous a fait comprendre un peu la philosophie de l'entreprise Philibos Filmmaker Production, puisque Philibos, c'est le patron, et puis il y a Filou Dingo. Filou Dingo, c'est celui qui fait le spectacle. Donc il faut bien qu'il y ait un pitre ou quelqu'un qui amuse, qui rêve, qui fasse tout de travers, vous voyez, qui soit détaché de la vie réelle pour que le public soit enchanté, soit émerveillé, se détache lui-même de la vie réelle avec des personnages qu'il voit à la télévision. C'est très important. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était le cours 333. Art dramatique avec Filou Dingo. Le rêve et le fantasme à la télévision sont nécessaires. Voilà, merci, au revoir.
Merci, au revoir.